Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la toute dernière vidéo drôle de Mansour le Guissen, Sarah Messan, Barra Pro et de Richko Bob. Sans plus tarder, on passe directement à la vidéo. Toi un homme qui a Goro Bangala, ça veut dire que tu as un anaconda? Ferme-moi. Tu m'as léché, je sais, il y a juif. C'est la même là, c'est que vous quand même envoyez là. Attends, écoutez. Tu m'as léché, je sais, il y a juif. Tu es mal fort. Tiens, il y a me croire pas. Moi, pour juif, il y a tous les problèmes là. Tu m'as léché, je sais, il y a juif. Ah, non, mais que tu es fort. Tu es un léchiste. Hey! Elle a dit quoi, même? Attends, elle a réécouté. Tu es un léchiste. Hein? Ouais, tonton Kwaku, tu me cherches là. Tu voulais me dire quoi? Si moi j'ai attrapé une go, la fille. Tu dis quoi? Si moi j'ai attrapé une go, la fille. Tu veux dire qu'elle fuit quoi? Elle fuit. Mais pourquoi elle fuit? Elle va se porter. Hein? Elle va se porter. Donc tu la mets bien. Partie. Dis-moi comment tu fais ça? Si j'ai fait si près, si j'ai main dedans là, une heure de temps, on est dessus. Ça. Hey! Hein? Ça fesse pas? Non, jamais. Y a pas les... Appelle coach Amoya, venez monter quelques techniques pour fracasser les mousseaux là encore. Coach Amoya, montre-nous une position. Il y a une position même que les femmes adorent. Yeah! On appelle ça comment? On appelle ça le tebukei. Hein? Debout. En bon français, on appelle ça la levrette. On fait ça comment? Toi, la femme même, c'est-à-dire que tu te mets à quatre pattes. Donc, elles adorent ça. Oui, c'est la position que les femmes même, c'est-à-dire que quand tu fais ça à une femme, elle est dans un état. Toi, un homme qui a Goro Bangala, c'est-à-dire que tu as anaconda. Ferme-moi. Quand tu prends ta chérie en debout, Kei, tu vas pas faire comme quelqu'un qui a kikinet, tu vas pas faire comme quelqu'un qui a normalo. Toi, un homme même, quand tu as anaconda, quand tu es en train de faire le debout, Kei, tu vas doucement. Ah bon? Toi, un homme même, c'est-à-dire quand tu prends ta femme en debout, Kei, c'est une position où toi, l'homme même, en fait, tu es dominateur. Dominateur? Oui, c'est ça. Toi, l'homme, tu es dominateur. Hein? Si toi, un homme, tu es dominateur, tu joues un peu ton rôle de dominateur. En commun? C'est-à-dire que là, la femme, elle t'a tout donné. Elle t'a donné tout son beau baraba. Elle-même, elle est là-bas. Donc, c'est toi qui gères comme ça le pays. Pays? C'est-à-dire que son pays, son continent, là. Toi-même, quand tu es derrière, là, en train de fracasser, là, il y a des paroles qui doivent sortir. Quel genre de paroles? Des paroles un peu bizarres, un peu genre sauvage façon, là. Pour les femmes qui sont clitoridiennes, pendant que le moron est en train de vous faire le debout, qui est en train de vous faramponner par derrière, vous jouez le clic clic. Ça va. Tu ressens deux goûts. C'est-à-dire que tu ressens le goût mougoussal et puis tu ressens le goût clitoridial. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux goûts comme ça. Et puis, ça fait comme plume de poulet. C'est mal doux. Coach, moi, tu as une autre technique. Le missionnaire. C'est quelle position ça encore? Le missionnaire, c'est la position où la femme même, c'est-à-dire elle est couchée sur son dos. Et puis toi, le moron, tu montes sur elle. Toi, un homme même, c'est-à-dire quand tu prends ta femme en missionnaire, tu rentres pas tout de suite, non. Mais on fait comment? Tu prends ton bangala et puis tu fais ça. Hein? Tu fais ça. Donc, elles adorent ça. Quand tu fais ça, elle est comme ça. C'est-à-dire, tu entends un cri, c'est-à-dire qu'il y a une voix qui quitte au fond d'elle là. Cette voix-là, tu ne peux pas savoir où elle est quittée, mais c'est quittée loin. Pendant que tu es en train de faire ça, tu prends ces lolos là, tu mets un peu dans ta bouche façon là. Tu mords un peu, tu mordis un peu les lolos et puis tu reprends encore, tu fais comme ça. C'est elle-même qui te prend comme ça, c'est-à-dire elle-même elle attrape ta ceinture comme ça. Et puis elle veut que tu rentres. Comme ça, doucement, tu sors. Comme ça, doucement, tu sors. Hein? Et puis après, tu rentres tout maintenant. Hey! Quand tu rentres tout maintenant là, là maintenant tu vas fort. Hey! Elle va pas crier. Femme, elle aime ça. Montre-nous une autre position encore. La position de la cuillère. La position de la cuillère? Oui. Comment on fait ça? La position de la cuillère, c'est sur le côté. C'est-à-dire la femme, elle est sur le côté. Maintenant, toi, l'homme, tu te mets derrière. Toi aussi, tu es sur le côté. Hey. Sur le côté comme ça. Et puis, tu prends le bangala. Et puis, tu foudroies ça. Hey. Faut pas rentrer directement. Faut forroter là-bas. Et puis, tu rentres. Tchier. Kamako kaki koko. C'est-à-dire qu'elle va faire un truc. Elle va tiquer façon. C'est ça qui est bon.
Ta femme, tu te mets sur le côté comme ça. Ton bras, il est derrière. Tu soulèves un peu ton pied. Hmm? On appelle ça comment? On appelle ça le poulet mort écarté. C'est-à-dire que quand, vous voyez, quand on tue le poulet, on enlève leurs tripes, les intestins, tout. On les casse comme ça. Donc toi-même, tu te mets sur le côté, tu es en poulet. Poulet mort écarté. C'est-à-dire que tu ne soulèves pas ta jambe. Comme une danseuse classique, hein, non. Tu es comme ça, non? Et puis tu soulèves tes pieds là, un peu comme ça. Et puis le moro, il rentre derrière là. Ah, lui, il y a un goût. C'est-à-dire le goût là, ça touche un côté de ton cerveau que Dieu a créé, mais que tu ne maîtrisais pas. Donc le goût là, ça va toucher ça. Hein? Et puis voilà une position qui va tuer. Hey! C'est quelle position ça encore? C'est-à-dire que toi, l'homme, tu es assis comme ça. Mm-hmm. Et puis ton mousseau, elle s'assoit. Tu t'assois comme ça. Tu vas sur le côté, puis tu es comme ça maintenant. Comme ça. Quand tu vas maintenant là, quand il commence à dire hum, hum, ça veut dire que là, il reste 2 minutes. Il va, c'est fini, sera achevé. Oui, il faut la battre. Il faut la battre, c'est important. Donc, c'est-à-dire quand tu es maintenant sur ce côté-là, tu es comme ça. Mais en faisant l'amour là, c'est quelle musique nous devons écouter? Quand tu veux framponner ta femme là, c'est-à-dire que quand tu veux la achever là. Mm-hmm. La musique que tu mets là, c'est pas les oh l'amour, on n'a pas ce temps. Hein? Les sons sauvages, c'est-à-dire que si tu mets par exemple un morceau d'Arafat, quand il fait pankaka, c'est-à-dire son pankaka là, tu mets un boulet. Tu c'est-à-dire tu, une musique chaude. Ok, on va essayer ça pour voir. Donc c'est-à-dire que dans, voilà, dans la... Coach, c'est bon pour aujourd'hui, sinon on va tuer enfin des gens. Milou, allons. Si tu partages la vidéo, je ne sais pas ce que toi-même ça te coûte. Faut partager la vidéo. Ok. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir. Quand deux verbes se suivent, quel fait le second s'il vous plaît? Le second fuit. 0-2. Le second se cache. Moins 10, Madou. Le second se met derrière. Le second se met derrière. Tu as fraudé. Reste à base, on va quitter ici. Quand deux verbes se suivent. Mm-hmm. Quel fait le second? Le second meurt. Reste, le second fait quoi? Le second meurt. Tu as redoublé la salle. Quelle est la différence entre un cheval et des chevaux? Ah, mais ça, c'est un problème de gouvernement et tout donc. Comment tu peux parler une chose pareille comme ça? Serata, vas-y. Entre un cheval et un chevaux. Oui, c'est quoi la différence? Bon, je pense que c'est la conquérance, non? C'est quoi? Conquérance. Bon, je parle de la différence, hein. La différence et la conquérance. Bonjour, de Serata. Un cheval est un animal. Homme quoi? Quelle humiliation! Je dis un cheval et des chevaux, c'est quoi la différence? Je n'ai pas de réponse pour ces questions. On te ramène en classe antérieure. Fantabé, vas-y, la femelle du mouton c'est? Bakoroni. Oh. Bakoroni? Bakoroni. Bon, toi, on te retire la nationalité du Grunyana. Bintou, quel est le féminin du taureau? Moi, je ne connais même pas le taureau là. Le taureau, c'est le petit du cheval. Ah non, 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 non! J'ai oublié, le petit du cheval c'est la vache. T'as quoi? C'est comme ça que tu es bête! Le taureau là même, c'est quel animal? Excuse-moi les questions, banon. Je donne le respect. C'est ça, on vous dit aller à l'école. Vous vous instruisez. Non, ça moi je connais. Hein. Tu connais rien. Bon, toi il faut dire, c'est quoi le taureau? C'est quelqu'un qui pond des œufs. Tu réfléchis pourquoi? Je ne réfléchis pas. Oui, alors vas-y. Moi quand je réfléchis, j'insulte. Hein? Oui, quand je réfléchis, j'insulte. Bon, regarde, va faire ton travail à la cuisine, je fais le mien. C'est tout. Nana, vas-y, répète après moi. Désormais, à Dougrouni, si tu on aime. Tu en aimes. Une femme. Un pain. On doit lui donner l'argent. On doit lui donner l'argent. Adorable l'argent. Hein? Adorable l'argent. Ok. S'il n'y a pas d'argent. Tu as l'argent. Non, s'il n'y a pas d'argent. Tu as l'argent. Yeah. Bon, comment toi, il faut l'expliquer. S'il n'y a pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Tu ne donnes rien à la femme. Pourquoi? Hmm? Pourquoi? C'est la nouvelle loi. Pourquoi? Chers habitants de Dougrouni City, ceux qui ont la haute et la descente du village, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce journal-là.
Alors vous êtes un ministre de la Santé à Dugrouni Cité. Selon vous, les maris sont des médicaments. Les maris de nous, c'est mon médicament de nous. Mm-hmm. C'est le docteur de nous, c'est le hôpital de nous. D'accord, ça c'est intéressant. Par exemple, moi, mon mari. C'est ton médicament aussi. C'est mon docteur. Ah, d'accord. C'est mon Donpral, c'est mon médicament. Oui, je comprends. C'est mon piqué de tchout-tchout. Donc ça veut dire que désormais à Dugrouni Cité, une femme célibataire qui tombe malade doit simplement chercher un mari pour son traitement. Thank you. Laissez les chronokines, les gens, ils prennent les chronokines. Non, plus de chloroquine. Valérie, allez-y, c'est quoi votre avis sur le sujet? Je ne sais même pas par où commencer, je ne suis pas médecine. Ça fera l'air. Je ne suis pas médecine, je ne peux même pas expliquer, mais c'est chaud. Question technique, hein? Pasteur, supposons que je suis un homme qui pratique la prostitution. Est-ce que je peux enlever ma dîme? Tu enlèves dîme pour envoyer à qui? À vous, pasteur, c'est une offrande. Alors, je déclare que cette offrande est pour toi. Offrande des fesses là. On appelle ça au Yoromadjan. Attendez, Dieu a dit quoi? Il dit vous mangerez à la sueur de vos fronts. Front et puis fesses, c'est pas la même chose. Si tes fesses sont transpirées, mange ça. Alors, Talon, c'est quoi ton vrai nom, s'il te plaît? Inclipteur. Non, j'ai dit ton vrai nom. Talon Pilon, abandonné dans le four. Manchifon, vide bidon. La lecture. Fourchette, abandonnage. Talon, j'ai dit ton vrai nom. C'est mon nom. Oui, mais comment ça, fourchette? C'est ma corps. C'est ma fourchette. Oh my goodness. Aujourd'hui, il y a trois faces dans moi. C'est quoi? Il y a trois faces dans moi. Un d'abord, je fasse. Mesdames et messieurs, suivons à présent l'actualité sportive sur Dugrouni TV. Le FC Barcelone contre Real Madrid. Tu m'as fait disparaître dans l'écran. Tu m'as fait disparaître dans l'écran. Ah bon? C'est mon téléphone qui a débranché. Je vous avais dit, n'allez pas bouger cette rallonge. Ça complique trop. Ah, pardon. Et puis, ça va, on te voit plus. Tu m'as fait disparaître sur le plateau. Attends. C'est bon? Gâteau, tu coupes d'abord la caméra. Non, pardon, ça va plus arriver. Avec ce genre de choses, vous voulez que la chaîne soit suivie? Keita! Anaka! Il faut debout! Ferme-moi! On a fait son fermement. C'est tous. C'est du. Donc, c'est du pain-train. Dans la vie, c'est versi, versa. C'est tout! Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Oui! Voilà, très bien. La vidéo d'aujourd'hui là, ça va péter. Pourquoi? Vous allez le savoir tout de suite. Mais avant cela, comme d'habitude, on va faire une interrogation très intéressante. Pourquoi? Parce que bientôt, on va renvoyer quelques élèves. Vous saurez. Vous saurez. Toi, Poutou, tu fais partie des élèves qu'on va renvoyer bientôt. C'est que je m'en fous. Je suis un illettré, je suis un analphabète, tout le monde le savent. Mais c'est ça qui fait partie le patriarcalité motia. Qu'est-ce que tu as fait dire là? Alors toi, dis-nous, quand des verres se suivent, le second fait comment? Le second fuit. Le second fait comment? Fuit. Bon, toi, tu es renvoyé avec mention très bien. C'est tous. Toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Safia Toudjara. Ok, Safia Toudjara. Bon, maintenant, dis-nous, quand des verres se suivent, le second fait comment? Le second se met derrière. Safia, toi aussi. Comment ça? Bon, c'est que sur toi-même, tu es renvoyé avec mention assez bien. C'est tous. Alors toi, le candidat suivant, dis-nous, quand des verbes se suivent, le second fait comment? Le second se met à l'infinitif. Et toi, le dernier candidat, comment tu t'appelles? Rose Parker. Rose quoi? Rose Parker. Ok, Rose Parker. Bon, maintenant, dis-nous, quand des verbes se suivent, le second fait comment? Quand des verbes se suivent. Le second fait comment? Le second mère. Un quoi? Le second mère. Jésus! Bon, lui, là, on va faire comment avec lui? On va le juger. Et s'il n'est pas content du jugement? Nakam est arrêté. C'est tous. Alors, mesdames et messieurs. Oui. Un grand accident d'avion s'est passé hier nuit aux environs de 2h du matin. L'accident là a fait beaucoup de... dégâts. Mais pour plus d'informations, suivons le compte rendu ensemble, vous. Allez-y, nous vous écoutons. Avion là. On a arrêté ici. Maintenant, on voit l'avion là, vient pire. Un coup là même là. Il a fait comment? Il a tombé, voum. Il est tombé, voum. Excusez-moi, j'ai oublié les lois et la danse. Bon, la loi d'ici c'est... Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je m'en fous de toi. Et la deuxième loi est... Tu t'es poché, pour boire de l'eau, tu te couches. La danse, s'il vous plaît. Tonika, sois-moi.
dis, Maro, dites-nous, si nous voulons vraiment mettre fin à la pauvreté qui règne dans notre pays, il faut... Diphtoniser. Ou bien il faut... Itérationaliser. Ou encore il faut... Factabiliser. Et au cas où factabiliser n'a pas marché, il faut essayer... Impérialiser. Sinon, dans peu de temps, le pays sera comme... L'impérium. Et au cas où le pays devient comme l'impérium, il faut essayer la méthode à la... À la parisyllabicité, la nomenclature. Tu ne peux pas mourir pour un problème d'argent quand je suis là. Il faut combien? 50 millions. Là, je vois que tu vas vraiment mourir. Hein? Wow, quel talent! Grimpe, on y va. Regardez, vous me valez. Voilà, tu l'avales. Qui voulait l'avaler tout à l'heure? C'est pas toi qui voulais l'avaler. Oh, est-ce que tu as mangé les enfants? Quoi? Qui trouve la femme trouve la bonheur. S'abonnez-vous. C'est tous. Mes amis, prenez le téléphone, partagez. J'espère que vous appréciez cette compilation. Si oui, likez, commentez et abonnez-vous. Nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a mon conseil qui arrive le 6 janvier. Au palais de la culture? Oui, oui. Ah, mais c'est super ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, tu vas chanter quoi au palais de la culture? Mais s'il fait concert, c'est qu'il a des chansons? Oui, oui. Voilà. Je fais tout ce qui. Super ça. Tiens, ce que le sultan, ça fait 15 ans qu'il chante. Il a jamais fait ça. Même petite salle du palais de la culture, sans place, il peut pas remplir ça. Pour toi, là, c'est dans quelle salle? La plus grande salle de Côte d'Ivoire. Hey! La 4000 places. Hey, à son côté. C'est là-bas, moi, au culture nationale. Un an de carrière. Je m'en fais conseil. À son côté. Chicken. Palais de la culture, là, c'est pour aller chanter, c'est pas pour aller faire promo. Attends, pourquoi tu sautes sur lui comme ça? On appelle ça, c'est pas conseil. On appelle ça promo. Souvent, quand tu lui parles, tu n'as pas peur de sa forme et de sa taille. J'ai fait 1m92. Je n'ai peur de rien. Les virils. Toi et puis le bachelor, là. C'est la même chose là, tu es beau. Il n'y a rien dedans, mais c'est enflé. Le bachelor, la même, il vous a fait quoi? Il est carré. Mmh. On dirait le chauffeur de Marinette là. C'est quoi Marinette? Ladybug. Je ne sais pas trop si je dois rire ou pleurer. Ah non, mais pour aujourd'hui là, c'est dosé. Qu'est-ce que le sultan? Gang gang. Visant de l'on giflé un machette. Petit à Poutchou. Gang 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 gang. Y'a pas te laisser un petit. Gang 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 gang. Je n'ai peur de rien. Cette histoire est rocambolée digne d'un film gang gang stick. Si tu veux chanter là, viens, y'a t'apprendre à chanter. Hé, hey, je connais mon travail. Tu étais blogueur. La vie là, c'est un parcours. Quand on veut là, on peut. Vous avez fini? Non, non. Donc continuez. Je vais vous étonner. Tu vas payer ticket pour donner aux gens gratuitement. T'es cru, hein? Musicalement, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Yeah! C'est pas dans la bouche, nous c'est le travail. Oh! Les gars, on vous a trop laissé parler, c'est bon maintenant. Oui. On va passer à autre chose. Nobody wanna see us together. We are here at this Abidjan Convention and Exposition Center. Mm. C'est en quelle langue il parle comme ça? En anglais. Hey! Connie aussi, quand il parle anglais, là, pense à nous autres là. I am frustrated. Oh! Connie Touré, you are frustrated me. Hey! Moi je suis pas frustrée. C'est Tony. Il faut traduire que moi aussi mon anglais est doux. Je peux parler devant étrangers. Ici, il faut étranger, tu veux être doux. Mais je suis fatiguée. Mais fatiguée? Oui! Et qu'après, on va bien voir clair dans cette histoire d'anglais. Eh bien, qui c'est? Oui. We'll be in this affair. Je comprends pas anglais, mais ce que tu as dit là, c'est pas anglais. Ah! Pourquoi tu ris? Là, on peut dire, il est trop fort. Hein? Mais tu es fort. Tu ris, pourtant, on est foutu. Qui va parler anglais maintenant? Moi. Tu parles anglais? Oui. Tu es sûr? C'est comme du foutu, c'est rien même. Ah, c'est bon, c'est qu'on aura des chansons en anglais. C'est ça. Si tu comprends, donc traduis ce que j'ai dit là. Je dis traduis. Déjà, la chanson en anglais, c'est pas pour maintenant. I see the love you. Call me. Darling, get I valiente. Follow my lead. No, not we words. Ma chérie. Time.
darling, get kid me slow. I know. A bit for India cross. Ah, c'est bon. Si on comprenait anglais, tout ça n'aurait pas arrivé. Ils sont dû aller à l'école. Voilà pourquoi il a choisi IPA. Au moins, ils vont me former en anglais. Oui. On est parti. Merci les amis, vous pouvez télécharger l'application One East Bet, vous inscrire avec mon code promo Sarah225. Jouer à One East Game, vous pouvez avoir de l'argent et accumuler jusqu'à 1 500 € de bonus. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, alors likez, commentez et abonnez-vous pour plus de vidéos.